Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and throw it on the ground. Bienvenue dans l'épisode 33 de la saison 2 du podcast Les Enfants Vont Bien. Le moins que l'on puisse dire cette semaine, je crois, c'est qu'elle a été riche en événements. La journée internationale de la famille, directement suivie de la journée internationale de lutte contre les LGBTQIA+ phobies. Ces journées m'ont fait, une fois n'est pas coutume, un peu plus exposer ma famille. Pour nous, c'est avant tout un acte militant que de montrer que nos enfants vont bien, qu'elles sont épanouies et à l'aise avec ce que nous sommes et avec leur réalité. Ces enfants, comme vous toutes et tous, nous les avons désirés ardemment. Nous avons renoncé à certaines valeurs pour pouvoir les avoir, et notamment à nos valeurs citoyennes quelque part. Nous avons été au-delà de cette loi qui n'avance pas. Nous qui sommes toujours très respectueuses des lois et civiques, avons dû nous affranchir de l'aval de notre pays pour voir notre famille exister. Nous n'avons aucun regret et le referions mille fois s'il le fallait. Pour autant, ce serait tellement égalitaire que de nous accorder cet accès à la PMA pour toutes ainsi qu'à la GPA pour tous. Ces enfants, élevés dans l'amour et la fierté de nos familles, sont la source de certaines inquiétudes dans toutes nos familles. Car si nous, nous n'avons aucun doute sur leur bien-être et nos capacités à les élever dans la bienveillance et les valeurs que nous souhaitons leur partager, il n'en est pas de même pour la société qui projette ses peurs et ses interrogations directement sur eux ou sur nous, immisçant ainsi le doute dans nos têtes de parents. Alors, les plus à même de nous répondre ne sont-ils pas les principaux concernés ? Vous le savez, je n'ai pas encore eu beaucoup de témoignages d'enfants sur le podcast, et ça se comprend, mais je n'ai rien lâché et je vais commencer à pouvoir vous en proposer. Et une chose est sûre, je peux vous assurer que nos enfants vont bien. Cette semaine marque aussi l'anniversaire d'Apolline, Camille et Emma qui vont avoir 6 ans, mes filles. C'est un âge à partir duquel, je trouve, les enfants arrivent mieux à exprimer leurs idées et à mettre des mots sur leurs émotions. J'ai souhaité vous partager un peu plus de notre intimité pour vous rassurer et vous ouvrir la voie. Nous avons enregistré un épisode à 6 pour clôturer cette belle semaine de visibilité et de fête. Vous l'entendrez, ce n'est pas simple de canaliser 4 enfants sur une période de temps aussi longue que 15 minutes. Le son est teinté de leurs mouvements sur la couverture qui, je le pensais, devait absorber les bruits. Je vous remercie donc de votre compréhension sur ce point. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les filles. Bonjour, bonjour maman. Vous êtes prêtes ou pas? Oui, oui. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble... D'une famille. De notre famille, exactement. J'aimerais que vous me racontiez ce que vous savez de notre famille, ce que vous pensez de notre famille, ce que les copains disent de notre famille, tout ce que vous voulez. Et ce qu'elles savent pas. Et ce qu'elles savent pas, on pourra en parler aussi. Oui. Peut-être qu'elles le savent, mais que... Vous pouvez poser des questions. Elles savent pas qu'on est 4. Vas-y, dis-moi Emma. Ma copine, elle sait qu'on s'aime. Ah, et c'est le principal, non? Et Fabiola, en fait, ma copine, elle dit, je suis ta copine, je suis plus ta copine, je suis ta copine, je suis plus ta copine, à chaque fois que je lui donne pas la main. Quoi? D'accord. Ça n'a pas de rapport avec ta famille, si? Non. Oui, on va pas dire ça. Est-ce que vous croyez que votre famille, elle a quelque chose de spécial? Oui, oui. Moi, en fait, c'est la fête d'Emma, en fait. En fait, c'est pas la fête d'Emma, mais on la fête aujourd'hui. Maman. Et pour ça, et en fait, c'est sa fête aujourd'hui parce qu'en fait, on pouvait pas la fêter à son jour de fête. Oui, d'accord. Donc, Emma, qu'est-ce que tu voulais dire, ma chérie? Je voulais dire que ce jour, nous, quand on s'est mal, vous nous réconciliez. Oui. Et réconcilier, ça veut dire que vous nous rendez sourire. Je sais plus ce que ça veut dire. Ouais, c'est bien, c'est ça, ma chérie. Camille, tu voulais dire quoi? J'ai aussi le conseil, mais qu'il y a de l'amour. Oui, c'est ça. Oui, Juliette. Bon, ce qu'il y a de spécial dans notre famille, en fait, c'est qu'on a 2 mamans. Tout à fait. Et autre chose? Et qu'on est 4. Mais je n'ai pas dit quelque chose, j'en ai pas dit beaucoup. Alors, attends, en fait, c'est parler que... à Emma, c'est bien. En fait, c'est qu'en fait, quand il y a quelqu'un qui nous embête et qui nous poursuit, eh ben, en fait, on le dit à Cyril et on le dit à nos mamans.
Et on pleure sinon. Et on le dit à Juliette aussi. Hein. Oui, on le dit à Juliette, on prévient Juliette et il nous embête quand on fait ça. Et Juliette, elle dit à Cyril aussi. Et Emma, tu voulais dire quoi? Je voulais dire que vous nous faites beaucoup d'amour et nous, on vous fait beaucoup d'amour. Oui, complètement. Et vous pouvez pas vivre sans nous. Ah non, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Et nous, on va vivre sans vous. Aussi. Moi, ce qui est encore de spécial dans la famille, c'est qu'on n'est que des filles. On n'est que des filles, c'est vrai. C'est, ça va avec le fait que vous avez deux mamans. Camille, tu voulais dire quoi? Juliette et moi, et Apolline et Emma, elles sont dans la même chambre. Et on dort ensemble parce qu'on adore dormir. Et qu'est-ce que ça a de spécial alors d'avoir deux mamans? Vas-y Camille. Qu'elles n'ont pas de barbe. C'est vrai. Qu'est-ce que tu voulais dire avant? En fait, c'est que. En fait, on a passé ma fête. Et en fait, Camille, elle pleurait ma fête. Donc ça me cassait les tympans. Et en fait, je voulais lui prêter mes jouets, mais pendant les vacances, mais j'ai pas pu, c'était pour. Donc ça n'a rien de spécial d'avoir deux mamans pour vous. Emma, si. Qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, ce que c'est que j'aime bien faire du jardinage avec vous sur la terrasse. Ah oui. Un jour, on en a fait. C'est vrai. Juliette, qu'est-ce que tu voulais dire? Et aussi avec mamie. Ok. Alors Juliette. Bah, moi, à part que c'est trop bien, je sais pas trop ce qu'il y a de spécial à avoir de maman. Est-ce que vous dites à vos copains que vous avez deux mamans? On a des amis. On a des amis. Je le dis à toute l'école, moi, quasiment. On a des amis. Est-ce que tu voulais dire, Apolline? En fait, notre famille, des fois, on part en camping, on a laissé papier mamie et on est en train d'enregistrer. Et tu en parles à tes copains que tu as demain? Tu leur expliques? Constance, elle le sait déjà, je n'ai pas de copains. Toutes mes copines savent que c'est de maman. D'accord. Et ça leur paraît... Est-ce qu'elle pose des questions? Non. D'accord. Emma, toi, tes copains? Tes copines? Ben, toute notre classe le sait, même Constance, toutes les amies. Est-ce qu'ils posent des questions? Non. D'accord. Et papa, ils posent pas des questions entre nos mamans. D'accord. Petit peu, pas beaucoup. Un petit peu? Et qu'est-ce qu'ils posent comme question, ma chérie? Je ne sais plus. D'accord. Camille? Et quand on... Hein? Moi, c'était quand on était en petite section. Mes amis, elles me séduisent. Et on s'amuse bien, en plus. D'accord. À part des fois, on se bagarre. Et toi, Juliette, tu voulais dire quoi? Moi, ils se posent pas des questions. Enfin, si, quand même. Mais, ils disent plutôt que c'est pas possible d'avoir de maman. Donc, du coup, moi, tous les jours, j'explique 3 fois par jour que si c'est possible et tout ça. Tu leur expliques comment? Je leur dis que c'est possible parce qu'il y a une graine de monsieur que le docteur met dans l'une de vous deux, enfin dans maman ou dans maman, je sais plus. Qu'est-ce qui t'a porté? Maman. Voilà. Et que du coup, c'est possible parce qu'il y a une graine de monsieur dans le ventre de maman. Tout à fait. C'est une bonne explication. Emma, tu voulais dire quoi? Je voulais dire que même si vous nous fassez, vous nous aimez. Évidemment. Tout le temps. Même quand vous vous fassez entre vous, vous aimez. Oui, tout à fait, ma chère. Oui, Camille? Mes amies, je m'en souviens plus, mais je crois qu'elles me posent des questions ou non. D'accord. Et tu te souviens pas des questions? Je crois qu'elles me posent des questions ou non. Oui, mais tu te souviens pas des questions qu'ils te posent? Quand ils t'en posent? Non. Moi, je ne souviens pas. D'accord. Oui, Apolline? En fait, nos mamans, elles se fassent des bijoux sur la bouche et des fois des bisous sur les joues et elles nous fassent des câlins et des bisous la nuit quand on doit dormir. Et on a des chats qui s'appellent Autumn et Pentin. Et Pentin, en anglais, ça veut dire citrouille. C'est vrai. C'est complètement vrai. Donc pour vous, aujourd'hui, est-ce que c'est une chance d'avoir deux mamans?
Oui. Vous êtes contente, vous êtes heureuse? Ah oui. Qu'est-ce que vous aimez faire avec votre famille? Moi j'aime bien jouer avec des sociétés, faire des bonhommes de neige, sauf que on en a jamais fait. Moi oui, j'aime tout faire avec mes mamans. Moi aussi j'aime tout faire avec mes mamans. Moi ce que je préfère c'est faire des câlins à 6 et aussi faire des petites sorties toutes les 6. Mais oui. Moi aussi c'est pareil que Julia finalement. Et vos maîtresses, elles sont au courant que vous avez demain? Oui. Moi, elles oublient souvent. C'est vrai. Est-ce qu'elles font les choses en fonction du fait que vous avez demain? Par exemple, pour la fête des mères, la fête des pères, est-ce que vous savez si vous faites pour les mamans ou vous faites pour les parents? Nous, on fait ça, Emma et moi. On fait toujours. Pour? Pas pour. Dans toutes les classes, on fait toujours. Mais toujours quoi, ma chérie? Ah, ce que tu viens de dire. Un cadeau de fête des mères? Oui, et le cadeau de fête des mères, c'était, pour vous, c'était le lapin avec les œufs de Pâques, Emma et moi, pour, c'était ça, votre cadeau. D'accord. Ah, c'était les cadeaux moi, de Pâques. Moi, j'avais fait une petite carte. Oui. Mais, je sais pas, c'était. Une petite section, notre cadeau de fête des mères, eh bien, c'était un cœur. C'est vrai. Et vous aviez fait un cœur pour chacune des mamans. Oui, le mien était seul, elle n'a pas été cassée. C'est vrai. Sauf qu'on l'a perdu. Moi, j'ai une poupée que j'adore. D'accord. Qui s'appelle Emilio Merlin. En fait, mon cœur a été cassé, on l'a perdu. Et donc, et je ne sais plus où on l'a mis. Ça avait cherché partout dans la maison, mais j'avais trouvé nulle part. Et c'était un cadeau de fête pour les mamans. Et en plus, c'est qu'il était précieux pour elles. C'est vrai. Et il avait mon prénom. C'est vrai. Et moi aussi, pour moi aussi. Et je l'adorais beaucoup, beaucoup. Et moi aussi. Quoi, toi aussi? Comme elle. Vu qu'on était en petite section. C'est vrai. Et toi, Juliette? Les maîtresses, elles s'adaptent sur les cadeaux de fête des mères, des pères, oui. Pour les papiers oui. qu'elles donnent? Bah, l'année dernière, c'était un pot de fleurs tout décoré. Pour les deux mamans? Oui. Non, pour l'une, je sais plus ce que c'était. Ce qu'on avait fait. Ah oui, l'une, c'était un galet. Le galet, il était pour toi. C'est vrai. Et maman A, c'était le pot de fleurs. D'accord. Et la maîtresse, elle t'avait dit que c'était. La maîtresse, l'année dernière, elle faisait très attention à ça, tu te souviens? Oui. Elle mettait tout à nos deux. Elle mettait madame et madame. Ouais. Elle faisait un cadeau pour la fête des parents. Tu te souviens de ça? Et les chansons aussi, ils les ont adaptées pour les filles. C'était ouais. Camille, je crois. C'est vrai. Ah, tu te souviens, chérie, qu'ils avaient adapté les comptines? Vous avez quelque chose à dire sur votre famille? En fait, moi, même si vous me fassiez, je vous aime. Même quand je pleure, j'aime toute la famille. J'ai toujours aimé ma famille. Mais nous, on vous aime aussi. En fait, notre famille nous aime. Même si elle nous fasse, elle nous aime de toutes les planètes, notre famille. Exactement. Emma, elle est un peu méchante avec elle. Des fois, elle veut pas aller avec moi au toilette. Eh ben, moi aussi. Juliette? Oui, toi? Moi, ma famille, je l'aime jusqu'à l'infini et au-delà. Moi, c'est à l'infini et au-delà. Camille? Telle qu'elle est? Telle qu'elle est, tu le gardes toujours, même la nuit et quand tu travailles. C'est là où il y a écrit tous nos prénoms. Et pourquoi je le garde toujours? Parce que tu nous aimes. Parce que c'est ton porte-bonheur. Exactement. Juliette. Et que tu nous aimes. Que tu nous aimes. Oui. Juliette, tu voulais dire quoi? Que ton collier, tu le gardes parce qu'il y a tous nos prénoms que tu le gardes pour aller en déplacement, pour se doucher, pour se laver les mains, pour dormir, pour vider les cartons, pour déménager, pour conduire. Est-ce que vous avez des questions sur la famille? Moi, non. Moi, non. Vous avez aucune question, tout est très clair pour vous. Oui. On est Vous avez des trucs. J'ai peut-être une histoire sur notre famille à raconter aux filles. Vas-y. Bah, les filles, vous savez que pour faire un bébé, maman et maman, elles ont une graine de monsieur. Oui. Elles ont besoin d'une graine de monsieur. Et celle-là, vous la savez. Et vous étiez même morte de rire quand vous l'avez écouté cette partie d'histoire.
Bah, quand on a regardé si c'était des filles ou des garçons et combien il y avait de personnes dans le ventre de maman, bah, le monsieur a dit qu'il y en avait deux. Et puis, maman, elle a dit, ah non, il y en a trois. Et maman, elle a dit, oh, arrête, Aude. Et puis après, il a bien regardé le docteur. Et puis, il a dit, oh, il y en a trois, il faut que j'aille voir ma femme. C'est vrai. Et elle vient d'où, ces graines de bébé? De la graine du monsieur. Et en fait, t'avais un énorme ce que j'aime le plus faire avec vous, c'est jouer avec vous à la fête famille. Et jouer avec vous ou non, jouer avec vous. Jouer avec vous. Vous savez là où elle vient d'où, Emma, elle vient d'un pays. Elle vient d'où, les graines de bébé? De quel pays? Du Danemark. Oui. Exactement. Moi, j'allais dire France. Bah non, ce serait trop bien si on pouvait faire ça en France. Mais c'est pas encore le cas. Pour le moment, en France, les mamans comme nous, elles n'ont pas le droit de faire des bébés. Donc du coup, on a dû partir dans un autre pays pour pouvoir vous faire. Oh. Tu sais où, Juliette? Au Danemark. Non. Donc, le Danemark, c'est là d'où vient la graine de bébé. Mais on n'a pas en eu Australie. Besoin. On n'a pas eu besoin d'aller jusque là-bas. On n'a pas eu besoin d'aller jusque là-bas, mais on aurait pu aller là-bas. On est allé en Belgique. Vous savez où c'est la Belgique? Non. Mais moi, je suis Bordeaux. Moi, je suis bordelaise. Toi, t'es bordelaise. Tu es née à Bordeaux. Vous êtes toute bordelaise. Vous êtes toute bordelaise. Mais vous avez une graine d'un monsieur qui habite au Danemark. Donc, une graine d'un monsieur qui est danois. Donc, la moitié de vous vient du Danemark. Et vous avez été fabriquée en Belgique. C'est compliqué, hein. En gros, moi, je suis partagée en trois quarts. Un quart qui vient de la Belgique, un quart qui vient du Danemark, un quart qui vient du Bordeaux. C'est ça? Non, c'est pas tout à fait ça. Non, non, t'es partagée en deux. La moitié qui vient de la graine du monsieur et l'autre moitié qui vient de la graine de moi. De moi? Ma graine à moi. Ah, du moi, je croyais du moi, mais du mois de l'année. Non. Et donc, du coup, t'as la moitié... Moi, je suis française, donc t'as la moitié française et l'autre moitié... Danoise. Voilà, exactement. Vous êtes déjà allée au Danemark? Bah, non. Deux fois, moi. Toi, deux fois. Et si vous êtes allée au Danemark? Non. Quand on a pris l'avion? Si, vous étiez petite. On va sûrement rester là, les filles. Vous avez compris, alors, du coup? Vous avez tout compris? Est-ce que vous savez me raconter maintenant ce que vous avez compris? Moi, non. Ce que j'ai compris, c'est que je suis partagée, enfin qu'on est toutes partagées en deux. Bah moi j'ai compris que je suis partagée en deux, une partie danoise et une partie bordelaise. Et qu'on s'aime toutes beaucoup. Exactement. Et Camille, toi t'as compris quoi? J'ai compris que j'ai été moins aimée. Ce que j'ai compris, c'est que ce n'était pas un sujet pour vous, un petit peu plus pour Juliette, parce qu'elle a des amis un peu plus grands qui posent peut-être davantage de questions. Et qu'en fait, vous êtes très heureuse. Oui, voilà, je suis très contente. Merci les filles. Merci Maria. Merci maman. Je vous reprends pour conclure. Aude le dit très bien, ce qu'il y a à en retenir, c'est qu'il n'y a pas de sujet autour de notre famille. Il y a de l'amour, et c'est tout. Je me suis bien marrée au montage et j'ai aussi été attendrie par leurs réflexions, qui sont tellement sincères et parfois déroutantes. Pourtant, sur le moment de l'enregistrement, leur manque de concentration m'a un poil tendue. Vous l'avez vu, j'ai laissé les digressions des filles qui appuient vraiment le fait qu'il n'y a pas à tergiverser pendant de longues minutes sur notre famille. Ce qui définit une famille, c'est l'amour qui lie des personnes. Point final. Si cet épisode vous a plu, si vous pensez qu'il peut servir, qu'il peut donner de la visibilité à nos familles et surtout apporter un éclairage peut-être nouveau, n'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Je pense que nos enfants sont nos meilleurs ambassadeurs, les meilleurs témoins de nos vies. Si vous souhaitez soutenir le podcast, comme d'habitude, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ou plus si vous pouvez. Et vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, ça c'est surtout pour mon égo, je vous avoue. Et enfin, vous pouvez me rejoindre sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast, pour poursuivre la discussion, pour en entamer de nouvelles. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode, encore un épisode avec un enfant. Et j'en suis vraiment fière. Je vous souhaite une très belle fin de semaine.
You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ,